La pause. Merci à Light Picture justement pour ce générique. Merci également à vous qui êtes encore chez vous. Vous attendiez avec impatience ce numéro aujourd'hui parce que nous allons parler de charme. On avait commencé avec une première partie le jeudi dernier. Il était là, le professeur Camille Agbati, et aujourd'hui encore, il nous fait honneur de sa présence. On va parler de toutes ces choses qui nous entourent et dont on ne maîtrise pas réellement le fonctionnement. Et quand on parle de charme, certains l'introduisent en minant chez nous comme botémie, oui. D'autres parlent dans d'autres langues, dans votre. Mais aujourd'hui, on veut savoir réellement si ce phénomène est naturel ou sinon il est provoqué. Une chose est sûre, nous, ici dans la pause, nous voulons vous dire aujourd'hui que vous nous faites beaucoup de charme. Et c'est pour ça que nous vous apprécions, chers amis téléspectateurs. Bonjour chez vous. La bon, vie. Coquine. Ah, tu voulais répondre bonjour. Attention bonjour. À toi. Ouais, je voulais voilà. dire. Alors, mes charmants chroniqueurs sont encore avec moi, mentor oui, ambulant, oui. Jerry Wisdom, à Javon, mon unique et idéal. Mais oui. Ce bel homme d'Apounoukpa. Et j'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous regardent depuis Anéhor, principalement ouais. à ma belle famille d'Apounoukpa. Et on va chez Miss Martha, Madame Maude, qui a décidé de nous parler justement de nos cheveux, comment les entretenir, oui, comment en faire des soins. Ça. Oui, ça c'était avant. Ben je non, suis en train ben de oui, quitter ben le ben passé ben pour. On t'a pas dit que c'est sûr. On t'a pas dit que c'est sûr l'ancien. Quand ici voilà. le nouveau. Voilà. Bon, comme tu es pressé là, tu vas rester là-bas. Je vais chez Yannick d'abord. Je reviens. Alors, Monsieur Smoothie, Monsieur La Brèche. Comment qu'il dit La Brèche quoi? La Brèche. Il donne un nom là. La ouais. Brèche quelque chose. Anyway. C'est quoi le La brèche des milliardaires. La brèche des milliardaires. Ça a donné, ça a eu une promotion, oui. s'il te plaît. Anyway, monsieur Yannick, la vie. Oui, coquine, Océane Amekodia. Ça va ce matin? Oui, ça va, ça T'étais va. T'étais obligée de donner tout mon nom, en fait? C'est un réflexe. Donc, ah, ok, bah, voilà. d'accord, oui. ça marche. Pause diète aujourd'hui. Oui, pause diète aujourd'hui. On va partir, on va donner une astuce et il n'y a pas à manger. Ah, Yannick, attends. Comment il n'y a pas à manger? Je voulais demander même ça. Yannick, faut descendre. Non, mais c'est juste une pause, c'est rien de grave. Mais mm-hmm. les repas vont revenir, vont reprendre bientôt. Justement. On va donner une astuce aujourd'hui, voilà. Et toujours en rapport avec des éléments de la cuisine mm-hmm. qu'on utilise habituellement et des éléments qu'on retrouve aussi dans les smoothies. Okay. Donc, voilà. Alors, voilà. les éléments qu'on retrouve dans le smoothie, et je veux préciser également qu'on ne le dit pas assez, les smoothies sont des boissons naturelles à base de fruits de qui fruits. Vous permettent de rééquilibrer votre organisme en matière d'environnement.
donc de vitamines. Et donc, si vous négligez, ben, ce sera fait pour vous. Hein. Quelqu'un a dit qu'au Togo, on ne consomme pas suffisamment de fruits. Moi, je dirais que ce n'est pas vrai. Parce que Il y en a qui respectent quand même les 5 fruits. C'est quand la période des mangas, mango à mango. C'est quand... pendant les vacances, ça devient très cher ces temps-ci. Hein. Pluvieuse. Donc, on attend vivement. Mais quand on arrivera, Yannick, à la saison pluvieuse, donc la saison des mangues, j'espère que les smoothies... La saison des mangues est en train de partir. Hein. Oui, on en a déjà connu, mais ça vient encore. Hein. Ça va revenir. Dans cette année, quand même. Oui. Okay. Alors, la saison des mangues est passée quand même, mais t'as pas diminué le prix des smoothies. Pourtant, il y avait de la mangue en abondance. C'est le travail derrière, voilà. Non, c'est pas comme le maïs qui a vu le prix élevé. Les mangues aussi voient le prix aussi élevé. Évidemment, le mangue, cherche des excuses. Ça, t'es de mauvaise foi, Yannick, c'est pas la peine. Alors, Miss Martha. Yes. How are you? I'm fine, and you? We are fine. You know, your smile is doing something very special on me this morning. So I just want to ask you to be smiling all the show. This might do what? You cannot understand. Toi, tu dois parler le langage des fruits. Yannick, si je dis banane plus citron, ça donne quoi? Moussi. Merci. Yannick, magnifique. Ça, c'est fait pour toi. Oui. So today, what are we going to talk about? Today, we're talking about fashion towards Ewe people. La mode chez le peuple Ewe. La mode chez le peuple Ewe. Voilà, on va découvrir la mode chez le peuple Ewe. Ah, il fallait me le dire, hein, j'allais porter. Mais on va passer. Aujourd'hui, ça a chauffé. Mais ce côté est très charmant de toi. Est-ce que tu peux répéter un peu? Franchement, si tu demandes à Yannick de te parler, Kabia, il va mettre la honte au peu. Je comprends, hein. Vas-y. Il faut parler. Le comprendre ne veut pas dire le parler. C'est le bonjour. Alafia. Et Tonoda. Les Chigbelo. Non, mais c'est ça. Yannick, il faut qu'on t'envoie. Tu vas retourner chez toi pour un stage de 6 mois. Justement. Sérieusement. Et nous-mêmes, on va payer les frais de déplacement. On t'envoie. Voilà, avec les valises et tout. Bon, maintenant, Monique et Béal, hier. Avec qui fait quoi sur le net, on a parlé de comment gérer son Internet. Soucis d'Internet. Donc, c'est ça, on a parlé avec Canal Box. Mm-hmm. On a eu quelques informations sur comment faire quand vous avez un souci avec votre box Internet de Canal. Voilà, justement, c'est ça. Et j'espère que vous avez eu énormément d'informations. On va revenir la semaine prochaine pour un petit récap sur tout ce que nous avons eu à faire avec Canal Box. Et vous serez encore mieux situés. Alors, ceux qui me demandent pourquoi je garde mes cheveux courts ces 2 jours et que je n'ai pas de boucle d'oreille et que je n'ai pas de collier et pas de bijoux, je vous explique. Oui. Alors, nous avions fait des prévisions, mon mari et moi, là-bas à Miami. Voilà. Aïe. Et quand on est rentré dans ce pays, tout le monde a été touché par la conjoncture, y compris nous. Donc, présentement, là, nous sommes en mode économie. Voilà. Mais... Il faut comprendre. Attention, attention. Ouais. Quelque chose qui voit le malheur au loin fait quoi? Tu connais l'histoire de la cigale et la fourmi? Merci beaucoup. Donc, on est en mode cigale et fourmi. Merci beaucoup. Comprenez. La cigale, c'est qui la fourmi? Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu vas rester avec la caméra. Yo. Menteur ambulant. Le président de la Mentholande avec un événement ce vendredi de l'autre côté de l'Institut français. On va questionner les calebasses et en sortir les meilleurs slameurs de son état. Mais tout de suite, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Dada Maruto. Fallait pas toucher la source de mes pensées. 3 ans après, il y a trop d'immédiat.
Eh bien, en Christ, va voir. J'ai bien dit, mais allez. Bon, t'es mis à la trois, dis, mais va voir. Dada, manou, toito. Toto, toto, toito. Dada, manou, nene, 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 nene. Dada, manou, toito. Est-ce que vous savez que les vacances sont en train de se rapprocher, que présentement vos petits frères sont à la maison en train de vous regarder, vous qui êtes leurs idoles en train de chanter Dada Malutuito, ça fait quand même bizarre. Ben oui, c'est un peu comme ce matin, un humoriste m'a dit, ben, menteur, quelques années plus tard, ton fils, quand il va te voir, il dira, il va pas dire papa est en train de travailler, mais papa est en train de s'amuser. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Ça va, ça va, oui ça va, ça va, oui ça va. Hey, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo la, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo. C'est la pause de l'eau. Monsieur, ça va. Ça va. Vous voilà, ça va. Ça va. Monsieur, ça va aller. Amen. Hey, yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet 2021. Tout, calendrier grégorien, nous fêtons les Timons. Un pays vie, ça c'est Yahou. Yahoua, un pays Kabien, c'est les Sarah. Sarah Balou. Mais pour la crocine du jour. Martha et moi, on est en télépathie. Pas moi, elle veut parler de la mode à BIEV. Je veux vous parler de cette ville-là. Qu'on appelle. Dont on appelle l'hégémonie du peuple EV. Nous sommes où? En Notchen. Mais pour continuer avec le professeur, on va parler toujours du filtre d'amour. Et ma foi. Les filtres snap. Non. On veut filtre d'amour, l'on veut filtre d'amour. Pourquoi tu es obligé de venir dans votre histoire de non, j'adore sa manière, mais qu'elle lui vient une casse, quoi. C'est bien. Le filtre d'amour, c'est le charme intérieur que chacun dégage et manifeste sur une autre personne. Sauf que certains charmes ne sont pas naturels, mais sont provoqués. Voilà. Mais ici, nous tous, nous dégageons un certain filtre. C'est pour ça que les gens nous aiment. Oui. C'est pour ça qu'ils nous apprécient. Ah oui, comme ta brèche, c'est un des filtres qui sont moins. Tu ne sais même pas comment est-ce que le charme de ta brèche. Mais voilà. En plus. Pour Yannick, son charme, c'est sa brèche. Ouais, mais chacun dégage un filtre d'amour. Si. Dans le couple, l'homme en a dégagé sur sa femme et vice-versa. Ils se sont rencontrés, ils se sont trouvés. Et puis voilà, la flèche est partie, Cupidon a manifesté. Ils se sont mis ensemble. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut être réellement provoqué. C'est-à-dire que je décide de me mettre en couple avec le président de la Mantolande. Je vais voir Monsieur Yannick, qui est le seul ici parmi nous à avoir la tête d'un charlatan. Okay. Maman, lui, là, son bot de mine n'est pas fort pour moi. Faut chercher un autre charlatan. Bon, alors, je vais voir un vrai charlatan, si tu veux. Dans un village lointain, qui me fait des mélanges, donc un peu de chimie, mélangé au mystique. Et puis je reviens pour placer quelque chose dans le repas. La nourriture de menteur ambulant. Et dès qu'il mange, ça peut être dans le parfum. Dans le parfum, dans l'eau, dans le savon. Voilà, exactement. Tout plein de choses. Ça dépend. Non, il est en train de donner son expérience. Voilà, quand il te parle d'Akoto, Akoto dit le tour. Donc voilà. Et donc, quand je fais tout ce tralala, ça va se manifester sur menteur ambulant. Qui n'aura d'autre choix que de me suivre. Oui, c'est là où je chante. La dernière fois, lorsqu'on avait introduit le sujet, vous avez été tellement nombreux à poser des questions, à chercher à mieux comprendre. Et il y a eu également des questions sur... Il y a une question qui est venue. Est-ce qu'une femme peut manifester son filtre sur une autre femme? Et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, le numéro va s'afficher au bas d'écran. Il est ouvert. N'appelez pas, mais envoyez tout plein de messages. Posez des questions. Et si vous avez eu des expériences où vous avez senti que quelqu'un a un certain charme qui se manifeste un peu négativement sur vous, vous voulez savoir comment s'en défaire, c'est le moment. N'hésitez pas. Envoyez tout plein de messages. On est là pour vous aujourd'hui. Mais tout de suite, avant de parler de charme,
de défaire ou de faire, nous allons parler de beauté et de nourriture avec Yannick et Miss Martha. Pause diète, c'est tout de suite. Cher Ekwevi Ekloukouévadon est togolais. Il est titulaire d'un DEA en droit et politique de l'environnement, fonctionnaire international depuis 15 ans. Il a une passion pour la poésie et a décidé en 2019 de faire son entrée dans le monde des hommes de lettres, engagé avec sa première œuvre intitulée « Belle mais jamais rebelle ». Il nous revient avec « Quand le sourire enrobe la douleur » qui sera présenté pour la première fois au public ce vendredi 9 juillet dans la pause.
Voilà, alors, quand le sourire enrobe la douleur, on sera avec l'auteur, Monsieur Eucher Ekwevi et Kloukouevanou, demain, dans cette émission, et ça va être une émission spéciale littérature. Alors, tous les grands amoureux des lettres, s'il vous plaît, on vous donne rendez-vous demain, mais soyez sûrs et certains que dans la pause, on ne fait jamais les choses comme on fait normalement. Et donc, demain, clairement, vous comprenez que ça va être une émission spéciale, bien préparée, avec des surprises et tout plein de cadeaux pour vous. Voilà. Mais pour l'heure, on va rester en cuisine avec M. Yannick Smoussi qui va vous faire cadeau de ses belles astuces. Voilà. Monsieur. Madame. Tu ris pourquoi? Dans la ville, il faut être content partout, tous les jours. Donc, hein. C'est bien. Mais moi aussi, je vous donne rendez-vous ce week-end au niveau de, du côté de Apounoupa. Embouchure à Miadjo. Vous allez retrouver les cocktails de, des smoothies sur place. Donc, ceux qui seront au Festivalium à partir de demain jusqu'au week-end. Donc, faites un tour là-bas et puis vous ne serez pas déçus pour les smoothies que vous allez trouver. Alors, je ne sais pas, l'invitation, c'est pour les téléspectateurs ou bien c'est pour nous? Parce c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tu sais que l'équipe de la pause n'est jamais invitée. Voilà, justement, tu nous invites comme si on a pris le taxi. Tu dois nous inviter, genre, l'équipe de la pause est solennellement. Et tu commences en disant humblement, pour moi, Yannick Anadé, directeur de Health Smoothie, qui est une société spécialisée dans la production de fruits, de jus à base de fruits et légumes, à l'honneur de vous solliciter, moi, invitez-vous. Le premier rang, on le fait. Humblement, sous la haute bienveillance. Oui. Merci beaucoup. Ah ouais. Et là, maintenant, tu complètes. Et la correspondance doit être accompagnée de quelques smoothies. On doit goûter. Oui, bien sûr. Bon, déjà, goûté depuis là, c'est pas bon. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu as fait? Il y a un problème ici, palpable. Ça, je viens de payer. Comme hier aussi, j'ai payé. T'as même pas honte. Mais de toute façon, le jour là, vous allez payer aussi. Donc, bon. Comment chez moi? Comment ton entreprise est la même chose? Je reste chez moi. Non, pour dire que Health Smoothie sera sur l'événement de Miadjo le samedi. Et du côté de Apounoupa. Faut passer à la comptabilité. Ça fait deux publicités. Miadjo et Have Smoothie, merci. Il nous semble de sortir la facture. Merci. Exactement. Bon, revenons. Oui, sinon, revenons à l'astuce du jour. Mm-hmm. Et c'est par rapport aux feuilles de menthe et puis au persil. Voilà. Donc, c'est pour ceux-là qui ont de mal de voiture, le mal de transport terrestre, voilà. Le mal de route. Mm-hmm. Et il n'y a plus. En fait, d'habitude, certaines personnes prennent des cachets pour calmer ça durant un long trajet. Est-ce que ça marche? Donc, je pense que tout vient. En fait, ça se passe dans la tête aussi. Ça dépend de. C'est quoi un mal de route? Parce qu'on dit mal de route. Mal de route, oui. Mal de quelqu'un mer. Qui ne supporte je pas. Je peux vous expliquer parce que ça m'arrive souvent. Avec plaisir, Miss Martha. Quand je prends un long trajet, je commence déjà à avoir le vertige. Voilà. J'ai mal à la tête, j'ai la nausée. Oui, j'ai mal à la tête, j'ai la nausée. Et je commence à avoir mal à partir d'ici. Voilà. Donc, je suis vraiment inconfortable. Il va falloir qu'on s'arrête obligatoirement et que je sorte pendant quelques minutes. Quoi. C'est obligatoire. Mais qu'est-ce que tu fais si tu es en transport en commun? Tu es obligé de sortir. Ils s'arrêtent parfois. Ils ne prennent pas la route pour aller. Il y a des arrêts. Et j'ai une façon dont je prie pour les arrêts, là, Dieu même sait. Il y a un bouton. Arrête de me raciler, vraiment. Il y a quand même qui voient leurs pieds s'enfler. Oui, les crampes. Les crampes, voilà, il y a des crampes, par contre, le pied qui s'enfle, ce n'est pas forcément le mal de route. Oui, c'est une longue distance, dans la même position, ça arrive. Oui. Parce que le sang ne circule plus. Oui. Mais ça peut arriver, comme il a dit. Mais je veux dire, ce n'est pas lié directement au mal du transport. Oui, mais c'est parce que tu es dans la voiture que ça le fait. Je peux m'asseoir pendant 8 heures de temps ici, mais le sang, mais une fois que je rentre dans un cas. C'est autre chose. Oui. Oui, parce que le cas, la position dans laquelle tu es assise, elle est restreinte, en fait. Oui, ça, c'est moi, vrai. J'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience comme ça. Pour sur un coup de tête. À Accra. Non, à Dakar. Ah. À Dakar, j'ai pris la route. J'ai fait ça une fois. Combien d'heures de route? On a fait 5 jours. Ah non. C'est un lourd. Après, j'ai voulu. 5 heures de temps. Non, 5 jours. 5 jours de route. Et ça, c'est quand il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. L'arrêt se fait au niveau des frontières. Question. Je veux dire, l'arrêt se fait passer la frontière. Moi, j'ai fait jusqu'à Dabang, je suis tombée malade.
Lomé d'apparence, je suis tombée malade. Après, moi, j'ai le goût de l'aventure. Donc, qui n'a pas le goût d'aventure? Yannick, s'il te plaît, la prochaine fois que tu veux faire Lomé Dakar, si tu n'as pas l'argent, appelle-nous, on va lancer une collecte. Non, j'ai l'habitude de prendre l'avion, mais j'ai voulu tester. J'ai voulu tester. Le goût d'aventure, comme tu l'as dit tout à l'heure. Yannick, reconnais devant tout le monde que c'est l'argent que tu n'avais pas. Ok, bon, c'est la prochaine fois. Dis ça devant. Ok. Bon, là, bon, je vais juste solliciter les membres de la pause pour faire une collecte. Tu sais que lui a du pavé de menteur là. J'ai pu t'amener à Dakar avec ma moto. Oui, pourquoi pas. Je vais rester. Ah, en plus, tu n'es pas resté. Tu peux faire tes jambes comme ça. Mais vous n'êtes pas bien aujourd'hui, hein, franchement. Bon, Yannick, en vrai, pour revenir, ouais, pour revenir à cette astuce, ceux-là qui ont le mal de route, voilà, pour éviter cela, n'achetez plus les cachets ou quoi que ce soit. Prenez juste un bouquet de persil ou un bouquet de menthe et ayez ça sur vous. Et lorsque vous sentez que votre tête est en train de tourner... Mâcher comme un mouton. Pas mâcher, mais vous humez juste l'odeur et ça va vous calmer. C'est vrai? Ouais. Ah bon? Humer juste l'odeur, ça va calmer. Ouais, les odeurs sont vraiment très agréables, mais maintenant, je ne savais pas que ça pouvait guérir. Moi, j'ai une question. Oui. Si on ne trouve pas le bouquet, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple? C'est une belle question. Cristal aussi, l'huile essentielle de menthe poivrée. Le cristal de menthe. Oui. Bon, le cristal de menthe, je ne sais pas trop, parce qu'après ça, c'est travaillé. Maintenant, le bouquet, l'huile essentielle de menthe, ça peut le faire, parce qu'il y a encore de la menthe à redoser dedans. Mais le cristal, je ne pense pas que L'essentiel, c'est d'avoir l'odeur. Les cristaux ne sont forcément pas travaillés. Hein. Oui, c'est mais... naturel aussi. Hein. Bon. On dit souvent, l'expérience corrige mieux que les conseils. Après, les cristaux, c'est vrai, il y a certains, l'odeur de menthe n'est pas assez très poussée dedans. Ouais, exactement. Donc, il faut peut-être choisir ce qui est là où le goût, l'odeur est assez prononcée. Et là, comme ça, vous mâchez plus. Voilà, l'odeur peut agir dessus. Mais clairement, hein, quand même, je pense qu'il faut mettre l'astuce en application. Si vous avez un mal de route, vous avez votre bouquet de persil ou de menthe, sur vous. Vous reniflez l'odeur de temps en temps. Et puis, ça vous fait, j'ai dit renifler, pas sniffer. L'odeur et ça vous fait bien. Martha, j'ai une autre question. Est-ce forcément un bouquet? On ne peut pas faire sans jus? Non, en bouquet, parce qu'après, le jus, même le jus, tu sais, quand tu fais le jus, à un moment donné, l'odeur n'est plus. Mais le bouquet, la feuille en question, l'odeur, elle est encore plus longtemps. Donc, il faut le prendre ou la prendre sur toi, c'est ça? Oui. Donc, ça n'a pas fait bizarre, tu es là, surtout en quart, comme ça, tu sors le bouquet, tu mets ton nez dedans. C'est toi. Non, mais après, tu sais, tu peux faire un bidon de 25 litres. Non, après, tu peux faire également comme les nouveaux conducteurs, tu fais une pancarte que tu mets sur toi, tu dis attention, personne en danger. Et donc, quand tu sors ça, les gens se disent, oh, c'est là. Non, mais ici, dans le pays d'Aka, c'était une belle expérience, donc essayez. Il y a quoi? C'est quelque chose que je veux pas essayer. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est tout ce qu'on a comme astuce aujourd'hui. Oui, c'est tout ce qu'on a comme astuce aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu fais Lomé Dakar en voiture, n'oublie pas de prendre du persil ou bien des feuilles de menthe sur toi. Ça va te faire beaucoup de bien. Ça, c'est bon, comme moi, je n'ai pas de problème là. Je n'ai pas ce problème là, mais bon, voilà. Oui, mais tu as quand même faim. Hein, ça, j'avoue, j'ai eu faim parce que, en fait, je n'ai pas préparé ça comme il le faut. Donc, c'est sur un coup de tête, j'avais pas pris de vivre, rien du tout. J'avais qu'une seule bouteille d'eau. Et à un moment donné, j'ai eu faim. Ça, c'est chaud. Une seule bouteille d'eau pour une semaine. Oui, mais tu bois pas, tu bois un petit coup. Parce que quand tu fais un long trajet, il faut pas boire. Les enfants qui ont fait la France. Mais attends, tu n'as même pas pris des fruits, rien. Non, en fait, j'avais rien préparé. Je me suis dit, OK, je vais faire ça. Et puis, la veille, j'ai dit, OK, je pars sur Lomé. Et sur, puis Dakar? Sur Dakar plutôt. Et sur Dakar. Et t'as pris la route. J'ai pris la route. Non, mais franchement, il y a une histoire derrière ça, là. Ça, je comprends pas. Non, tes aventures. Ne va pas plus loin, même dans l'esprit. On lui a fait bonne témie, la Dakaroise. Le fils de la Dakaroise. Ils ont dit. Ah non, mais je pense qu'elle a dû prendre. Elle a fait le fit, là. Elle a pris l'épée, elle a dit Yannick. Comme Yannick, vas-y. Et Yannick a pris la route.
Merci beaucoup, Yannick. Ça vous aussi. Tout ce qu'il faut retenir, c'est de garder des feuilles de persil, des feuilles de menthe sur soi. Ouais. Si vous souffrez de mal de route et que vous avez besoin de voyager quand même, ça va vous faire beaucoup de bien de temps en temps. Exactement. Vous sortez votre bouquet et puis vous reniflez l'odeur et puis ça vous soulage automatiquement. Merci beaucoup. J'espère qu'on reviendra également sur le mal de mer et le mal d'air. De l'air, oui. Si, on va revenir sur ça. Bah oui. D'accord. Ça, c'est différent. Bah oui, c'est différent. C'est pas la même chose. Il y a une histoire par rapport à ça. Bon, on voit dans quoi, air ou mer? Air. Dans nos prochaines études. Pourquoi tu le vois dans la mer et non dans l'air? Ah, oui. Moi, j'ai été bâtelot. Pardon, quand même. C'est quoi le dépose-nous un bâtelot ou un matelot? Avec un bâtelot ou un bâtelot? Un matelot, il y a bien le bâtelot. Mais là, il faut que les 12h10, ça va montrer, s'il vous plaît. On va parler mode à présent. Pas de bâtelot, pas de matelot, mais que de mode. Mais avant ça, on vous montre un petit élément sur notre invité de demain. On va parler littérature avec Monsieur Eucher Ekwevi Ekulu Kouevanou. Et on reste avec Quand le sourire enrobe la douleur. Ekwevi Ekulu Kouevanou est togolais. Il est titulaire d'un DEA en droit et politique de l'environnement, fonctionnaire international depuis 15 ans. Il a une passion pour la poésie et a décidé en 2019 de faire son entrée dans le monde des hommes de lettres, engagé avec sa première œuvre intitulée « Belle mais jamais rebelle ». Il nous revient avec « Quand le sourire enrobe la douleur » qui sera présenté pour la première fois au public ce vendredi 9 juillet dans la pause. La plus charmante de celles qui vous parlent de mode, avec elle aujourd'hui, on va découvrir quelque chose d'autre. On laisse les cheveux, les ongles. La dernière fois, c'était les ongles. Avant ça, il y avait les cheveux. Et on a sauvé la vie de quelqu'un. Il s'appelle Joël Missé-Boupa. Coucou, Miss Martha. Coucou, Océane. So, today... Yes, aujourd'hui, on va parler de la mode chez le peuple Évé. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce dont on va parler aujourd'hui, les composants, j'avais déjà parlé de ça dans les autres rubriques. Les perles, les pagnes, kente, tout ça. C'est ce dont compose le plus la mode chez le peuple Évé. Donc, on va quand même, avant de parler des codes vestimentaires, que ce soit masculin ou féminin, on va quand même dire que les Évé, ils produisent leur propre tissu qui est... Le kente. Yes. Le kente. Donc, le peuple Évé... C'est différent du batik. Différent du batik. Ouais. Donc, maintenant, on va parler... Le faso d'Anfani, si vous voulez. Ça, c'est au Burkina qu'on a le faso d'Anfani. Le Kenya, ça, par contre, je ne suis pas... Le Ghana. Surtout côté Ghana. Et c'est pas maintenant que tout le monde préfère maintenant virer côté Nigeria. Ils s'habillent comme les Nigériens maintenant. Les Lessi. Ah, là-bas, c'est Lessi. Mais nous, on s'identifie. On s'identifie au kente. Voilà, donc là, je vais commencer par parler de code vestimentaire masculin. Alors, traditionnellement, ils se vêtissent d'un grand pagne en kente qu'ils enroulent autour du corps, dont un pan déposé sur une épaule. Ils portent en bas du pagne, là, que ce soit peut-être un pantalon ou... un short arrivé jusqu'au genou. Regardez comment c'est mignon avec ce genou-là. Voilà. Ça, c'est au Ghana. Donc, ça c'est au Ghana. Même au Togo. Uh-huh. Donc, en haut ou en dessous, une chemise en camisole blanche, en coton surtout, ou des fois, rien du tout comme on le voit présentement. Comme un accessoire, sur la tête, ils portent des bérets cousus en kente ou dans un autre tissu, ça dépend, pas forcément en kente. Donc, ils portent des sandales pour hommes ou des mules traditionnelles en cuir. Donc, ils mettent au cou ou au poignet des perles traditionnelles parsemées de perles en or. Que ce soit soit en or, soit en perles. Donc, maintenant, on va virer chez les femmes. Donc, les femmes, surtout lorsqu'il s'agit des femmes, les reines ou des
des chefs, femmes chefs, ouais. par exemple. Mm-hmm. Donc, elle s'habille comme les hommes aussi, avec, mais avec plus d'accessoires. C'est ouais. vrai qu'elles aussi, normal, elles mettent le paille par-dessus aussi. Mais là, on va voir plus d'accessoires, que ce soit au bras, poignet, le cou, beaucoup. Le pied. Voilà. La tête, voilà. Les genoux. Ouais. Donc, mais mm-hmm. sinon, en général, les femmes portent également du kente en paille, noué autour de leurs hanches. Ou autour de la poitrine. Donc, ça, c'est pour le mariage soit une femme chef, mm-hmm. pas forcément le mariage, une soit une femme, une princesse pas, ou une oui. reine, ou lors des cérémonies, par exemple. Ça, c'est très beau, pourquoi c'est très, très beau. On ne s'habille pas comme ça tous les jours. Mais c'est sur les réseaux sociaux, écoute, déjà avec l'évolution, voilà, avec l'évolution de la mode et comment les choses évoluent. Donc là, elle privilégie plus ça pour les événements, les cérémonies. Mais j'aimerais quand même que peut-être on mélange un tout petit peu. Ouais. Bon, peut-être si on va coudre quelque chose, on met un peu de quinté pour s'identifier. Oui, en tant que ouais. femme éveillée, mm-hmm. on arrive à s'identifier un peu comme ça. Parce qu'après, je pense que mettre ça tous les jours, c'est quand même lourd, hein, le quinté. C'est non, lourd, non, ça dépend lourd, de chacun. Ça va adapter. Yeah. C'est ça que je suis en train de dire, en fait. On arrive à... Toi, vous avez apporté ça pendant des siècles, quand même. De l'enfant à l'enfant. Voilà. Ouais. Donc là, on ne sait pas comment elles font pour supporter. Il y a des images qui circulent où le président sénégalais a rendu visite au roi soisilandais. Il était dans sa tenue traditionnelle. Toute la famille. C'était même la dernière fois où il y a eu BET, là, il y a un artiste africain qui s'est habillé traditionnellement. Diamond qui est arrivé sur le plateau, sur le truc là. Comment mais on dit bon, ça attention, un truc rouge, là. Tout le monde a envie de le tapis d'être rouge, voilà. Superment paré comme ça, le avec carpet. Les bijoux, les perles voilà. et le kente. Mais il ne faut pas oublier que le kente, dans son original, coûte excessivement cher. C'est quand même cher. Et à la base, ça n'est pas accessible à tout le monde. Tout c'est le monde. Un tissu royal. Il ne faut pas oublier cela. Et ça ne peut pas être porté n'importe comment. C'est la valeur. On risque de dévaloriser son origine. Par rapport aux couleurs aussi, ça a ses significations, comme je l'ai dit. Tantôt, on ne va pas vraiment revenir là-dessus. Ouais. Mais comme je le disais tantôt, les femmes, soit elles nous ça à la poitrine ou au rang, voilà, la taille et tout, avec des perles. Mais déjà aussi, les perles, on a donné les significations des perles, que ce soit hanche, cou, poignet, pied, tout ça. Voilà, oui, et voilà. genoux. Et voilà. genoux également. Bon. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Voici la mode chez le peuple éveillé. Alors, la prochaine fois que tu reviens pour nous parler de la mode chez le peuple, je vais m'habiller like Bavie. Voilà. Parce que ça doit scintiller de voir Martha habillée comme une princesse d'Afunukpa ou une reine. Avec plaisir, je vais chercher ça. J'allais déranger ma mère. Comme elle n'est pas là, si elle était là, elle est sûrement m'habiller. Mais comme c'était un peu un moment de Martha qui n'est pas là. Hein. Si vous nous regardez, plein de bisous pour vous. Merci également à ceux qui envoient tout plein de messages. Un message. Bonjour la pause. Bonjour. J'aime votre émission. Merci. Alors, c'était le manque de téléphone qui nous a empêchés de vous contacter. Et si seulement vous pouviez faire des jeux. Alors, on vous promet que pour ces vacances, ça va juste exploser ici dans le studio. Alors, touchez du bois chez vous. Oui. Et si vous adorez les jeux, préparez-vous parce que ça va aller très très rapidement. On pourra aussi vous inviter dans le studio pour repartir avec vos gains. Ça va être quelque chose. Bonne émission à vous. Merci. Je vous suis depuis Libreville au Gabon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Gadiel, vous êtes tous jolis au plateau. Merci. J'aimerais bien avoir un éclaircissement par rapport au sujet sur les éveils. En fait, j'aimerais savoir si les éveils au Togo, c'est juste la localité de Nochin. Non. Bon, le professeur est là, donc il va nous situer par rapport. Merci beaucoup. Merci, c'est très, très gentil. Alors, on dit merci à Miss Martha, merci également à Yannick. Et maintenant, on va poursuivre cette émission. On ne vous en parlera pas assez. Demain, ça va être une émission spéciale littérature avec une sortie de livres. On sera avec l'écrivain, l'auteur Cher Ekwevi Ekloukouevanou. Et nous allons vous présenter pour la toute première fois de son histoire Quand le sourire enrobe la douleur. On part en image avec une petite capsule sur l'auteur et juste après, on va vous retrouver, le professeur Camille Agbati, pour parler des filtres d'amour. Filtres d'amour. Vanon est togolais. Il est titulaire d'un DEA en droit et politique de l'environnement, fonctionnaire international depuis 15 ans. Il a une passion pour la poésie et a décidé en 2019 de faire son entrée dans le monde des hommes de lettres, engagé avec sa première œuvre intitulée « Belle mais jamais rebelle ». Il nous revient avec « Quand le sourire enrobe la douleur » qui sera présenté pour la première fois au public ce vendredi 9 juillet dans la pause.
Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. C'est l'envie entre dimanche et lundi. T'as un sens, vivez tout. Voilà, il faut tout. T'as un sens. Manger, va aider et prier, va aider à bouger, va aider à travailler, va aider à chanter, va aider à se laver, va aider. C'est le 9 juillet à 20h à l'Institut français de Lomé. Mais pour ceux qui ont déjà fait la réservation, il faut être là à 19h30. Mais ceux qui doivent nous suivre en direct sur Facebook, la page Facebook de l'Institut français, 20h. Ben bon. Et voilà, allez retourner. Monsieur et Madame, aller-retour, se faufile dans le marché de Décaro-Rossimé, dans les va-et-vient, et arrive sur le calebassier et achète 5 calebasses club. Back to the Calabash, ce vendredi 9 juillet 2021, à 20h. Guichet fermé. Suivez le spectacle sur la page Facebook de Menteur Ambulant ou sur la page Facebook de l'Institut français du Togo. Bon spectacle à vous. Un véritable clitoris qui fabrique de grands talents. D'amour. On va en parler cette fois-ci avec le professeur Camille Agbati. Et donc, si vous vous sentez concerné, s'il y a une tête ou l'image de quelqu'un qui est dans votre esprit à longueur de journée, que même quand vous mangez, que vous dormez, que vous êtes dans vos mouvements de va-et-vient, l'image donc, de cette personne est là et ne bouge pas. Demandez-vous si c'est naturel ou... Ça va ou ça ne va pas? Je ne veux pas beaucoup parler. Mais par contre, le professeur pourra vous dire de quoi il s'agit. Oh, bonjour, professeur. Bonjour, Océane. Je peux vous dire tout de go que votre image est dans ma tête 24 heures sur 24. Non, ça, ce n'est pas le fil d'amour dont tu penses. Hein. Professeur, est-ce que c'est un filtre d'amour? Est-ce que c'est votre charme qui agit sur moi ou... Non, c'est le magnétisme. Il y a une différence entre le magnétisme et le filtre d'amour. Oui. Le magnétisme, ça va dépendre de l'orientation que ça va avoir. L'orientation que ça va avoir. Tout dépend de la le position. Magnétisme. Oui, sur quoi le viré. D'accord. Un mouillant. D'accord. Ok, maintenant on vire. Alors, professeur, encore une fois, c'est le bienvenu chez vous. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais pour l'heure, on va fêter les anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet 2021 et en PIV, il s'agit des Yao, Yawa, et en pays Kabia, c'est les Sarah, Sarabalo. Mais pour la course du jour, c'est Notchi, hein, c'est Notchi. Vous mettez un peu Notchi. Notchi. C'est à combien de kilomètres de Lomé déjà? Alors, Notchi, c'est après le péage. On est d'accord. C'est après le péage. Le péage sur la route de Notchi.
Il y a plusieurs péages. Hein. Après le péage d'Agnès. Non, mais Claude, là, c'est bon, non? Attends, sérieusement. Le péage, c'est après. C'est sur la route de Nantien. Voilà, donc vous voyez le péage, vous payez 500 à l'aller, 500 au retour, et puis vous êtes à Nantien. Quand vous arrivez à Nantien, vous avez un rond-point. Moi, j'y étais, c'était pour aller, c'était pour une excursion pour le mur d'Agbogbo. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Voilà, ça par exemple. Et puis également, à Nantien, vous avez le professeur Camille Aguati. Ah oui. Alors, par rapport à la situation de Nantien, l'histoire autour de Nantien, le professeur là, il va nous briefer tout à l'heure en quelques secondes. Mais on va aller avec l'acrostiche. Mm-hmm. Eh bien, vous savez, Nantien s'écrit comment? N-O-T-S-E-E. Combien? Le gadi, ne me jamais en nom, le gadi, ne me jamais en nom, le gadi, ne me jamais en nom, professeur, le gadi, ne me jamais en nom, 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 la pose, le gadi, ne me jamais en nom, le gadi, ne me jamais en nom, watcher. Nous mène des Agbogbo et du plus célèbre roi des Évées après l'Égypte antique. Origine du panthéon numinal des mémoires originales. Trésor caché des savoirs primaires y déambulent. Subsistance active des chefferies et des royaumes du sud de Togo. Œuvre, littéralement traduit, donne un peuple profond. Œuvre, mot qu'on a veole. C'est un grand trou. Un glouglou. Les gens vont avoir peur à la maison. Non, j'adore. Mais ça, là, par contre, j'ai eu des frissons. C'est joli, hein? C'est joli, très joli. Alors, professeur, avant d'aller avec la photo des animations, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de Nantien? Bon, je sais professeur, que c'est... Est-ce qu'on mais dit, on va résumer. Est-ce qu'on dit Nantien ou Nantien? On dit Nantien. Le N grec. Le N grec est différent de N. C'est comme ça? Nantien. Voilà. Nantien. 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 Oui. D'accord. Ça marche. Alors, le nom vient d'où, professeur? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour de ce nom. D'autres disent que ça vient de l'ancêtre Nguyen. Nguyen est resté là-bas. Mais s'il faut rentrer dans Nguyen, c'est toute une histoire. Wow. Parce que depuis le bastion Kouara, passé par Oyo, c'est d'ailleurs pourquoi chez les évêques, quand quelqu'un meurt au Togo, on dit Eyome. Ça dit qu'il retourne à Oyo. Oui. Mais quand un évêque du Ghana décède, on dit Eyomotien. Ça dit qu'il revient d'abord ici, il va d'aller à Oyo. Donc de Oyo, Ketou, d'abord Badagri, Ketou, Tado, ou pas Tado Petit aujourd'hui, le royaume Adjatado. Oui. Donc c'est à couper, ça va venir maintenant à Oyo. Donc, la vraie histoire que moi je retiens, c'est qu'arrivé à Tan, à côté de Eyo, Meto, le fleuve Yoto à Nantien. Pada, le Yoto, Eyo, Meto, le fleuve de Yoku, là où on a trouvé Karité. Alors, simplement, les ancêtres ont vu qu'on peut rester là parce qu'il y a une mare, c'est bon, tout ça. Et du coup, il faut retourner sur les traces, à passer jusqu'à encore à Tando jusqu'à Oyo, prendre la poussière des tombes. La poussière des tombes, Yoke. Oui. On appelle ça Yoke. Et ils sont venus enterrer là pour dire qu'ils vont désormais habiter là. Parce que moi, j'aime retenir dans toutes les autres définitions parce que c'est plus plausible, c'est plus réel. Oui. Donc, c'est à partir de là, maintenant, ils vont rencontrer le quartier Tegbe. Eux, ils disent, mais les founas, tegbe. Et puis ça continue jusqu'à Akoli, pas Agokoli.
Accor. Accor, c'est deux noms composés, mm-hmm. qui n'est pas forcément sanguinaire. ça dépend des tournures. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes ces visions. Mais après, il y a eu les autres. Qu'ils soient sanguinaires ou pas, tôt ou tard, il doit y avoir les autres qu'on mm-hmm. appelle Gobaba. Mm-hmm. Quand un peuple grandit jusqu'à un moment, si vous ne réfléchissez pas, à partir de la nature, vous faites partie. Mm-hmm. C'est ce qui est arrivé aussi chez les Juifs en Égypte. Ça arrive naturellement. Mais il faut toujours un prétexte à toute guerre. C'est ce ça qui est là. Donc, je m'arrête merci, là. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci. Alors, professeur, vous savez, il y a... Le je vais lire un message. La salut, la pause. Salut. Vous êtes tous sublimes. Merci. J'aime merci. Votre émission. Merci. Et la dame qui est habillée... en basket noir, elle est belle, elle me plaît trop. Mon filtre marche. Comme le filtre la marche, hein, jusqu'à marche. Même dans, à travers c'est, comment... C'est, oui. C'est là où je m'avais demandé au professeur, est-ce que c'est le filtre d'Océane qui marche ou bien c'est en charme? Voilà, c'est ouais. ça. Et c'est quoi la différence entre le charme film et, le charme. Et le filtre? Le filtre. D'abord, quand on parle de charme, le charme a deux dimensions, profane et sacré. Donc, charmer, c'est ce qui est chez toi qui attire les gens. Ça attire les gens, ça peut être la beauté, ça peut être ta démarche, ça peut être tes yeux, quelque chose qui est sur la personne, ça peut être complètement la personne même, qui, ou bien ça peut être une énergie que la personne diffuse depuis l'intérieur qui permet d'attirer les gens. Donc, quelque part... quand nous parlons de tout ça, on appelle charme du côté profane. Maintenant, le charme devient magique. C'est pourquoi la nature même peut vous attirer. La nature même peut avoir son charme. Sinon, pourquoi le tourisme? Ouais. Pourquoi dit même l'hymne de la création, quand vous chantez, pas de là, dans l'océan, tout ça, ça. Même pourquoi quand, dans le Yoruba, par exemple, comme j'ai rencontré la grande dame la fois passée, quand on veut prier Dieu, ça te tourbillonne la tête, parce qu'avec charme, la parole devient toute une force. On dit Adjaloroun, Adjalaé, Logbagba, on dira toutes ces choses. Et tu vas voir, tout ça donne toute une loge. Le charme est dans la parole, dans le corps physique, dans tout. Mais quand ça devient magique, je ne dis pas que la personne a fait une magie. Ça devient magique, alors le magnétisme atteint un niveau très supérieur qui capte et oblige. Quand je dis oblige, pas oblige dans le sens... tout profane, c'est, mais oblige, attire. C'est là où le charme devient autre chose qu'il faut contrôler pour le bien. Mm-hmm. Pour le bien. Maintenant, au-delà de ça, les charmes, vous voyez, on peut faire des objets qui sont des charmes, les amulettes, les talismans, où on crée tout un magnétisme qui permet d'attirer l'argent, la chance, d'attirer les femmes, ainsi de suite. Et le charme devient divinité. Et peu importe comment on l'appelle ailleurs, il est Cupidos, Cupide, qui va, le 14 février, que les gens utilisent ce petit ange, hein, qui est le petit ange parmi tous les anges, fils de Vénus d'ailleurs. Et quand on parle de Vénus, on parle d'Aphrodite, chez les Grecs, et on parle d'aphrodisiaque, vous voyez, du nom de cette déesse. Et chez nous, c'est en fait la plus grande divinité que les évêques du Ghana ont pu créé, qu'on appelle Gabara, la divinité des charmes, qui nourrit tous les vaudous d'ailleurs. C'est cette divinité qui énergétise tous les vaudous. Et si nous venons dans la Bible, si le Seigneur l'a choisi, amour, cette grande valeur, il y a trois choses, la foi, l'espérance, l'amour, mais l'amour est encore plus grand, dira Paul. Donc en Afrique, chez les évêques, ils sont arrivés même à rendre entité cet amour, à lui donner la force. Et c'est ce Gabara qui permet même d'utiliser plus de charme. Tout ce qui est autour de lui devient charme. Fluide, simple fluide. On cite ton nom, tu cours, tu vas là-bas. Ah, simple herbe. Simple cadeau, on dépose là-bas, on te donne, tu cours vers l'homme. Donc vous voyez, de la dimension profane jusqu'à la dimension sacrée, en passant par tous les périples, partout, chez tous les peuples en fait, vous voyez que le charme prend diverses formes. Et devient filtre d'amour. Et pas filtre qui engendre la sécrétion des hormones, botémie, non. Ça devient filtre induit à l'intérieur de l'être humain qui crée un aura autour et qui ramène les gens dans ce aura. Professeur, vous parlez de charme. Ah, est-ce qu'une personne
peut, au cours de son parcours, perdre son charme ou le filtre naturel dont elle dispose? Simplement. On le perd très facilement même. Qu'est-ce on le perd parce que là, c'est vous qui appelez charme, charme ou chance. Sur le plan anthropologique, on l'appelle l'énergie ancestrale. Qu'est-ce qu'une énergie ancestrale? C'est l'énergie que votre clan, votre peuple en a fait tellement d'économies. S'il faut boire beaucoup et devenir ivrogne, s'il faut se prostituer, faire des choses, il y a eu des gens dans la famille qui sont restreints, ils ne l'ont pas fait. Et puisque Dieu ne vole pas les gens, cette énergie s'emmagasine dans la mémoire de la famille qui revient maintenant. Vous allez voir certaines personnes, nous vemos que si notre Agbagba m'a dit, c'est pas ne pas travailler. Ça voudrait dire que dans cette famille, il y a un réservoir de cette énergie. Alors quand ça revient sur une personne, la personne-là, naturellement, l'utilise. Maintenant, cette énergie devient en fait l'énergie vitale. Elle devient un totem. Son incarnation, c'est un totem. Quand on dit totem, ce n'est pas de l'interdit. Le totem regorge du mana, qui est l'énergie-là. Et pour que l'énergie-là grandisse, il y a des tabous autour. Et corps. Je ne dis pas c'est le corps. Nous, là, on a quoi? Et en même temps, c'est le cou qui tient aussi la tête. Et corps. Donc, corps, nini. Nourri. Et corps. Ah, nourrissant ça, ça fait grandir cette énergie. Et partout où vous êtes là, ça travaille. Vous avez vite comment là, votre emploi. Vous cherchez ceci, vous l'avez, le visa, tout naturellement. Maintenant, quand vous êtes dans l'inverse du respect, du tabou, du coup, l'énergie commence par décroître. Tout de suite, parce que le tabou, c'est comme de l'eau et de la lumière qu'on donne à cette énergie pour grandir. Et quand ça s'arrête, alors ça sort, ça commence par s'effriter. Vous perdez cette brillance, toute cette énergie d'attraction. Et alors, on peut arriver même à perdre tout ce qu'on a. Et il ne reste qu'une partie de cette énergie qu'on ne perd jamais. Et on appelle Amenou bébé la grâce. Au moins ça, ça reste. Encore. Parce que ça vient de la terre. Et la terre aime tous ses fils. Alors il faut partir encore de cette grâce, retrouver cette énergie. Et surtout quand l'énergie ancestrale devient l'énergie cosmique pour toi, tu vas briller comme les Bouddhas, comme les Jésus, comme les Mahomet, comme les Socrate, comme les Isaac, et même comme la pose. Et même comme professeur Camille Agbati, s'il vous plaît, très important. Alors, comme menteur. La pose, Alors, professeur, et par rapport au phénomène de Botémie, dont Yannick a été victime ici à Lomé, et il a pris le cas pour aller à Dakar. Voilà. Professeur, par quel mécanisme Botémie là agit sur l'homme et l'homme sécrète des hormones où il devient, bon, entre griffes, bêtes, Daniel. Ok, en fait, c'est très profond, mais je vais rapidement résumer ça. Nous avons des fréquences. En hébreu, on appelle K. C'est pourquoi les anciens radios, là, vous allez voir, quand tout ça, c'est K. Donc, nous avons les boka, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'humidité en nous, la fréquence de l'eau, du froid, la fréquence du feu, joka, je ne dis pas encore le gigri, la fréquence de l'amour, c'est au niveau du cœur. Toutes ces fréquences, c'est ça qui forme l'être humain. Vous voyez un peu. Maintenant, quand on arrive à perturber cette fréquence pour toi, c'est là que tu es dompté. Donc, si la personne agit sur la fréquence du feu, on dit osajo, deux. Si la fréquence de l'eau, obu, boé, parce que c'est beau, l'eau. Maintenant, si c'est la fréquence liée à ton corps d'amour qui est là, tout ce qui est réservoir d'amour, là, puisqu'on est dans la dimension psychosomatique, la psychologie est liée au corps, dans la dimension psychosomatique, alors cette énergie agit sur ton corps qui est ici et provoque les hormones. Alors, vous savez que l'hormone, c'est l'intermédiaire entre le psyché qui est en nous et le soma qui est ici. Le psyché gouverné par le soleil, le soma gouverné par la lune, mais entre les deux, c'est Vénus, symboliquement sur le plan anthropologique, qui gouverne les hormones. Donc, quand on utilise des herbes, des choses qui sont à l'encontre de cette fréquence, la personne dompte, alors les hormones commencent par descendre à toi et tu ne fais qu'obéir à ce qu'il veut dire. C'est une science quantique, pour ne pas dire une science nautique, qu'on applique naturellement sans comprendre l'origine, parce qu'on l'a hérité,
c'est un héritage pas bon, je ne sais pas, mais quand même, c'est du coup les gens. Alors, professeur, j'aimerais poser une question, professeur. Je viens de finir une relation avec une jeune dame et ça fait déjà une année. Je suis avec ma nouvelle amie, mais lorsque la dame m'appelle, je tremble. Et je commence par me sentir bizarre à côté de ma nouvelle amie. C'est M. Samuel depuis le Bénin. Il veut comprendre le mécanisme. Il faut qu'il comprenne peut-être qu'il y avait eu tellement de choses partagées aussi. Mm. Beaucoup de choses partagées deviennent du charme. Et à vous, Tom, il y a à vous, Bénin, à toi. Vous voyez un peu. Et Tom, vous avez foulé, vous avez à vous. Donc, si la femme est devenue son avouton, il suffit que le charme devient incantation. Mm-hmm. Parce que l'incantation, l'ensorcellement aussi, est un charme. Donc, il suffit qu'elle appelle. Alors, la même voix qui passe pas avec des vibrations, quand ça touche un tympan, ça provoque toute une énergie d'attraction à lui. Mais au-delà, la femme peut aussi utiliser des pouvoirs dans ce domaine. Mais puisqu'on est dans le diagnostic ici, on doit toucher... Tous les aspects possibles, ça peut être tout naturellement, ça peut être aussi mystiquement, moi je n'aime pas trop dire ça mystiquement, moi j'aime dire sur le plan quantique, énergétique, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, c'est qu'il est sous le sort. Et le grand nom du sort, c'est quoi? Le charme. Lancer le charme à quelqu'un, c'est lui lancer du sort. Mm-hmm. Wow. OK. Mm-hmm. Mm-hmm. Wow. Alors, professeur, la dernière fois, il y avait également une question, une téléspectatrice qui demande si c'est normal qu'une femme puisse faire du charme à une autre femme. Ou bien que voilà, elle s'est donné un exemple. Elle s'est donné un exemple. Est-ce que le charme de Martha peut agir sur moi et vice versa? Ou bon, pour Yannick, je suis pas sûr, mais bon, mon menteur peut agir sur lui. Il récupère de boire. Il récupère naturellement ou bien provoqué? Non, voilà. Naturellement. Oui, c'est ça dans le contexte d'attraction ici, vos charmes peuvent vous attirer. Merci. Maintenant, si c'est dans le contexte d'amour, l'amour sentimental, elle veut signifier oui. Parce que certaines femmes ont leur animus développé plus que l'anima. Puisque nous avons deux énergies. L'autre qui est anima, notre polarité, plus. Et l'autre qui est l'anima, plutôt moins. L'animus, c'est le plus. Mm-hmm. C'est quand tu es femme, c'est que ton animus somnole et que ton anima est réveillé. Quand tu es homme, c'est ton animus qui est réveillé et ton anima sommeille. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pourquoi le Dieu Tout-Puissant dit « Et l'homme et la femme sortiront de leur maison pour faire une. » En fait, quand vous faites une, l'animus qui dort est réveillé par l'autre animus et l'anima qui dort, c'est les quatre. Quand on fait la duplication d'ADN et en donnant naissance à un être biologique, vous donnez naissance à un être aussi numinal de l'intérieur. Donc maintenant, si la femme a à voir son animus tellement débordé sur son anima, elle est femme physiquement, mais en fait homme intérieurement. Donc du coup, toute autre femme qui est en position de faiblesse face à elle devient moins et elle est plus. Et puis, c'est les deux polarités contraires qui s'attirent chez un aimant. Alors, elle attire. Est-ce qu'on peut changer cette polarité chez cette femme qui oui. a son... Oui, on change cette polarité non plus dans la médecine classique, non plus dans la médecine mystique, occulte, mais dans ce qu'on appelle l'anthropologie médicale, dans l'ethno-anthropologie, dans l'ethno-psychologie, dans l'ethno-science. Yeah. Et dans l'ethno-science, l'anthropologie qui est au-dessus de l'espace-temps. L'anthropologie qui est au-dessus du rationnel. Mm-hmm. Donc, travaille quelque part avec l'illogique qui n'est une logique au-delà de la logique. Ça mérite toi l'aiguille. On a l'aiguille. Alors, merci pour l'explication du professeur, mais comment peut-on comprendre une relation qui finit mal à tel point que les deux amants se détestent? Si c'est des problèmes, c'est normal. La séparation de corps. Si ce n'est pas des problèmes, soit il faut voir qu'au début, il y avait eu de l'hypocrisie ou bien quelqu'un avait dompté l'autre et que le charme est en train de finir. Alors, il faut aller chercher.
sauf si, je ne sais pas, quel miracle peut amener. Donc c'est là on dit atibou ekpeze bovodogwe. Si la souris vient manger même peau qu'on a fait avec ciment, calebasse doit courir et la séparation arrive. Donc il faut voir depuis si c'est anthropologique la base, les causalités pour voir après les effets. Mais si c'est tout naturel aussi, il faut voir peut-être que ils sont fatigués, il n'y a pas la variation, la diversité dans le mariage, tout ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs concepts, tout naturel, tout spirituel. Il y a même quelqu'un qui peut enlever cette chose sur un mur en banco et tourner comme ça, et là, déclin, les séparer. La même chose quand on retourne autrement, là, on en cas, tiens, encore. Et les remettre ensemble. Oui, mettre ensemble. Et toutes ces formules, dans nos recherches, on l'a trouvé, qui sont efficaces pour ceux qui l'appliquent. Parce que dans l'envoûtement, il faut être naturellement et profondément superstitieux, parce que la superstition devient la clé de l'envoûtement. Professeur, nous allons donc conclure cette émission avec Menteur Ambulant. Nous allons conclure avec quelques mots du professeur. Professeur, quelle attitude avoir pour ne pas tomber sous le charme des filtres, pour ne pas être dompté comme... Oui, donc je ne vais pas répondre directement, puisque le charme est positif aussi. Dans le sens positif, il ne faut pas adopter l'attitude pour ne pas tomber sur le charme. Ah oui. Mais dans le sens négatif, il faut être soi. Il faut faire ce qu'on appelle en fait cure holistique. Chaque fois, il faut faire un bilan de l'intérieur et de l'extérieur pour voir ton bagage énergétique qui te protège. D'autres l'appelleront l'aura, peu importe. Ce grand patrimoine, voir comment c'est toujours équilibré. Voilà. C'est ce qu'on appelle la santé, l'immunité spirituelle. Il n'y a pas que l'immunité biologique et physique. Merci, professeur. Alors, on va finir sur cette question. Oui, est-ce que l'amour vient hein? du cœur ou du cerveau? Cœur ou cerveau? L'amour... Est-ce qu'il vient du cœur ou du cerveau? Vient du cœur, mais est orienté par le cerveau. Voilà. C'est pourquoi Salomon dirait nos pensées qui nous viennent du cœur. Vous avez cantique compris. Des cantiques. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette superbe émission. Merci, merci à tous ceux qui ont envoyé. Oh, il y a tellement de messages aujourd'hui. Les fites, la marche sur vous. Hein. Voilà, et faites ce que le professeur a dit. Et puis, ça ne va plus marcher sur vous. Vous allez voir. Anyway, en tout cas, merci à Miss Martha. Dans le filtre, marche encore sur nous. Bon, Yannick, c'est à revoir. Menteur ambulant. Merci infiniment. Mon unique idéal. Le filtre a tellement marché que nous sommes devenus mari et femme, s'il vous plaît. Et on là, vous donne rendez-vous demain pour retrouver l'auteur cher Ekwevi Ekloukouevanou pour Quand le sourire enrobe la douleur. Merci Yannick. Gros bisous à chacun d'entre vous et à demain 11h30 sur la TVT.
la pause.